Bonjour. Bière. Ouais. Aujourd'hui, on parle bière. 10 points sur les bières. La bière naît en moins 4000 avant JC en Mésopotamie. C'est ce qu'on pense savoir. Seulement, il y a moins 7000 ans avant, en Chine, je ne sais pas ce qui se passe avec la Chine, mais toujours en Chine, un type de bière existe à base de riz, de miel et de fruits. C'est un type de bière. On connaît principalement la bière par rapport à l'Égypte, où c'était les femmes qui brassaient les bières et c'était les prêtresses qui versaient la bière dans les petits godets. La bière a toujours évolué, de moins 7000 à aujourd'hui. On trouve plein de sortes différentes, j'en parlerai plus tard. Et il y a eu des inventions qui ont contribué à favoriser l'implantation de miel. N'importe quoi, de bière un peu partout. Et au 4e siècle, avant JC, on reste toujours avant JC, ce qu'on appelle la Confédération des tribus celtiques, certains vont dire gaulois, ont inventé ce qu'on appelle le tonneau. Et grâce au tonneau, on pouvait largement exporter la bière et par conséquent faire découvrir cette jouissance gustative ailleurs, quoi. En 1903, ouais, c'est récent, hein. Donc ici, vous avez 3360 brasseries en France. N'est pas compté de l'Alsace et de la Lorraine. Et si vous ne savez pas pourquoi, revoyez vos cours de collège. Donc, on n'a pas grand-chose après, puisqu'en fait, ça fait ça. Les brasseries tombent de plus en plus à cause des deux guerres. En 1960, on a un gros problème en France d'alcoolisme. Donc, une grosse campagne massive fait que on est contre l'alcoolisme. 16 ans plus tard, il reste 23 brasseries en France. Ouais. Aujourd'hui, en 2021, puisque le recensement s'est fait en 2020, on est à peu près à plus de 2000 brasseries en France. On est vite remonté, c'est bien, en moins de 40 ans, enfin plus de 40 ans, on est pas mal remonté, c'est bien, c'est classe. Pas de la bière. La France est le premier pays à l'échelle européenne au niveau de termes de brasserie, du nombre de brasseries, avec plus de 2000, ça je l'ai dit. Et elle représente la filière brasseur directe, en lien direct, représente 7550 emplois et génère juste 4 milliards, un peu plus de 4 milliards d'euros en chiffre d'affaires. Je trouve ça pas mal. Alors, c'est le chiffre de 2019, hein, parce que crise Covid oblige, 2020, les festivals, ça fait ça, quoi. Pas de chiffre 2020, pas pour l'instant, désolé. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le premier pays à l'échelle européenne au niveau du nombre de brasseries, donc on est bien là. Par contre, en termes de volume de bière par personne, nous sommes à 33 litres par an. On est les plus bas à consommer de la bière à l'échelle européenne. Je sais pas vous, personnellement, moi, 33 litres par an, je les fais pas. C'est pas possible. C'est pour les enfants. Dites-moi que c'est pour les enfants. C'est pas possible. Vous êtes beaucoup, même. Je connais même beaucoup. Même vous êtes votre écran, quoi. 33 litres par personne, par an, c'est pas possible. Même vous, vous dites. Je pense que vous le pensez haute voix. Quoi ? Non, non. 33 litres par personne, mais c'est pas possible. Par an, non. C'est pour les enfants. Vraiment. Je pense que c'est pour les bébés, même. Et encore, c'est
Voilà, je sais pas comment c'est compté, mais c'est 33. Non, on boit pas 33. Enfin. Non, quoi. Non. Non. Non, 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 non. La France produit du malt. Et elle en exporte 80%. Ce qui est énorme. Même par rapport à ça, la France est le premier pays à l'échelle mondiale d'exportation, d'exportateurs de malt. Et on boit 33 litres de bière. Et chiffre intéressant aussi, je pensais vraiment pas, hein. Il y a 70% de la bière consommée en France est faite en France. Donc les copains belges, bah, y a Red Mat, dites, y a Red Mat d'or, principalement, parce que c'est vous, c'est d'or. Ouais, bah, les Belges, en fait, vous êtes partie des 30% restants de bière consommée en France. Désolé pour vous, les mecs. Vraiment désolé. Vous faites de la belle bière aussi, hein. Désolé, hein. Je suis désolé pour vous. Franchement, là, 30% pour vous. Merde, quoi. Désolé. Un truc qui me fait rire et qui marche très bien pour le marketing, c'est les bières de filles. Le concept, c'est, t'aimes pas la bière, on va te mettre du sucre dedans, comme ça tu vas aimer la bière. Et ça marche très bien. Je savais pas que finalement, même si j'ai dit tout à l'heure que c'est les prêtresses qui versaient, parce que c'était leur rôle de verser la bière dans les godets, et que c'était les femmes qui brassaient en Égypte. Non, la bière, c'est pas que pour les mecs. D'accord ? Je connais des copines et des filles en général qui boivent de la bière. Voilà, et pas de la bière de filles. Peut-être parce qu'elles sont pas dans le côté marketing, en fait. Peut-être qu'elles disent la bière, c'est la vraie bière, donc le sucre, on l'emmerde. Chocolat. Pour compenser. Bière chocolat. Ça existe ? Petit cliché qu'on va mettre de côté rapidement, c'est que la bière fait grossir. Ouais, la bière fait grossir. Oui et non. Dans un litre, bon, ça fait pas un litre ça, hein, ça fait un peu plus. Dans un litre de bière brune, qui est la plus saine et qui est reconnue comme la bière la plus saine, puisqu'il y a du malt et du houblon, il n'y a pas de sucre, de faux sucre, c'est du sucre naturel. C'est la plus saine et dans un litre de bière brune, il y a 43 calories. En comparaison, on peut prendre une marque de soda américaine qui a transformé le Père Noël de vert en rouge pour son marketing, qui possède, dans un litre, 42 calories et beaucoup de sucre. Entre les deux, il y en a un qui fait grossir plus que l'autre. Et ce qui fait grossir, ce sont les bières de filles. Désolé de vous le dire ça, les filles, mais la bière de filles fait grossir. Ah, mais elle est léger. Non, non, elle fait grossir. Point. Parce qu'il y a énormément de sucre à l'intérieur pour avoir votre palais et votre billet de banque qui vous fait vous acheter des bières de merde, en fait. Tout simplement. Voilà, c'est le sucre qui fait grossir, pas la bière en elle-même, quoi. La bière brune, je vais le rappeler là encore une fois, elle est, c'est la plus saine. Et elle favorise largement la repoussée du mauvais cholestérol, elle favorise la digestion et elle empêche les calculs rénaux. Ah ouais. Et aussi, cette merveilleuse petite bière a beaucoup de vitamine B à l'intérieur. B comme brune et B comme bière. Ah là là, le B il est magique, hein. Grosse barbe. Ah, j'ai déjà dit ça. Barbe et tout. Barbe, baraque, bagnole et petite. Non, c'est ça. Ouais. J'aime bien qu'il y a un truc comme ça. Et grosse bière. Bref, en tout cas, voilà. La bière brune, elle est cool là-dessus. Ouais. La brune. L'irlandaise est bien aussi. La brune irlandaise, ouais, c'est cool. Depuis l'invention de la bière, elle est reconnue par tous les peuples qui la brassent et qui l'en consomment comme quelque chose de médicinal. La bière, à la base, est pour les dieux, donc c'est une bière pour. Enfin, c'est une boisson pour la religion et après pour la médecine. Quand on la consomme modérément,
à 33 litres par jour, forcément, ça va pas le faire. À 33 litres par an, ça va pas le faire non plus, hein. En fait, ça reste médicinal quand même. Surtout dire des filles. C'est bon. Eh bien, pour finir, il existe plus de 10 000 références de bière. Par conséquent, même si vous n'aimez pas la bière parce que pour vous c'est trop fort, c'est que 1. Vous n'avez pas goûté une bière qui est beaucoup plus douce, que ce soit en degré d'alcool ou par rapport à la céréale qui est à l'intérieur. 2. Vous ne connaissez pas forcément des gens qui aiment la bière réellement pour vous faire déguster de la bière et pour vous montrer qu'il n'y a pas que de la truc, pas du truc qui arrache la tête. Ou 3. Tout simplement, vous n'aimez pas la bière. Point. Et ça peut arriver aussi. Après, si vous n'êtes pas du tout sur l'alcool, et ben, je respecte, hein, concrètement, je respecte. 33 litres par an, c'est pas beaucoup. Hein. Putain. En tout cas, voilà, la bière existe dans toutes les formes. Il y a plusieurs types. Il y a 10 000 références. Je pense que, ouais, il y a peut-être moyen de trouver au moins la bière qui vous correspond. Autrement, il vous reste l'alcool fort. Sujet d'une autre vidéo. Peut-être. Allez, arrête-moi de dormir.